Bon, et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous êtes tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est officiel, Moisson 2024 lancée. Donc on démarre par, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, par les orges d'hiver de notre client, qui est plus avancé que les nôtres. Mais de toute façon, on va aller faire un échantillon après dans les nôtres, juste après cette parcelle-là. Donc moi, mon but d'aujourd'hui, ça a été de monter le télescopique avec le chariot de coupe, parce qu'il n'y avait pas du tout d'endroit pour pouvoir décrocher la coupe. Donc on a été obligé de décrocher sur la route. Donc voilà. Ici on démarre, donc l'élection est dans le fond. Donc une orge. Donc comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de paille cette année. Bon, après il faut chasser aussi quand même. Et puis voilà. Donc, de toute façon les rendements ils vont pas être super. Hein, parce que regardez la gueule des épis, ils sont pas grands. Les grains ils sont pas gros. Bon pour l'instant je ne sais pas encore le PS, mais ils devraient pas être terrible. Il y a des coins de versée un peu partout comme ça, enfin bref. Et puis surtout, on va aller voir en bas, mais il y a une énorme ravine en bas parce qu'il y a eu beaucoup d'eau. Donc voilà, ça va être assez compliqué cette année. Première parcelle de l'année, donc pour l'instant la mise en route se fait plutôt bien a priori. Donc moi pour l'instant bah, je reste là qu'il y ait 2-3 tours de fait. Après je vais redescendre avec juste le télescopique, je vais laisser le plateau ici parce que pour la prochaine parcelle, donc la nôtre, il y aura un endroit pour décrocher un parking d'éoliennes. Donc on pourra décrocher directement avec la moissonneuse. Donc moi je vais descendre avec le télescopique à la ferme et remonter avec une remorque pour après. Et puis comme ça je vous ferai des petits plans drone et tout de la moissonneuse. Parce que cette année normalement je vais essayer de vous faire des vidéos sympathiques au drone, à la caméra, etc. Parce que l'année dernière il n'y avait pas de drone, donc c'était un peu moins cool. Mais là cette année je vais essayer de vous faire des choses assez sympathiques quoi. Donc voilà, bon écoutez, moi je vais vous faire quelques petits plans et puis on se tient au jus au niveau des PS, de l'humidité, etc. Allez, c'est parti.
Bon, bien voilà les amis, cette vidéo va toucher à sa fin. Donc nous, on a fini donc nos deux parcelles. Donc on avait en tout, nous, pour l'exploitation, 21 hectares à faire. Divisé en deux parcelles, donc une parcelle de 10 et une parcelle de 11. La parcelle de 10, elle faisait entre 14 et 15 d'humidité. Les PS, ils étaient entre 60, enfin plutôt entre 58 et 62, à peu près. Et puis, en rendement, ça ferait tout pile 70 quintaux. Donc, année en orge vraiment pas bonne, hein. Les PS pas au rendez-vous, rendement pas au rendez-vous non plus. Mais bon, c'est normal avec toute la flotte que c'est pris sur la gueule. Et puis, le riz gras aussi qui a fait chuter les rendements et les PS. La deuxième parcelle, donc de 11 hectares, elle doit faire à peu près aussi dans les 70 quintaux. On ne sait pas exactement parce qu'on a gardé des semences dans ces remorques-là. Donc, on n'a pas le tonnage exact de ce qu'on a rentré. Mais à peu près dans les 70 hectares, dans les 70 quintaux. Donc pareil, en humidité par contre on était beaucoup plus bas, on était à 12,5 à peu près. Et puis en PS ça variait pareil, entre 59, 58 à 63, 64. Donc voilà, écoutez, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Donc nous on se retrouve ce week-end. Pour une vidéo sûrement sur les épandages de compost et les déchômages et transport de compost. Donc on verra bien ce qu'on fait sur déchômage, le décompost, on verra bien. Donc écoutez, on se retrouve le week-end prochain et après on verra bien ce que ça donne pour les vidéos, une vidéo par mois. Donc voilà, allez, ciao tout le monde.